Salut à tous, c'est Joker. On se retrouve sur Dynasty Warrior 6. Un jeu qui est sorti le 7 mars 2008, si je crois. Si je dis pas de bêtises. On va jouer. Hein, on se retrouve avec Gantu. Là, le seul objectif qu'il y a, c'est faire du kill. Hein, Par contre, le seul truc, pourquoi il me fuit? Je suis en train de me faire enchaîner, moi. Elle est où? Elle est où? On va faire une vidéo de à peu près 8 minutes et quelques. D'à peu près 10 minutes. C'est juste pour vous présenter le jeu, pour vous dire que vous aurez bientôt le trou dessus. Attendez. Excusez-moi. Attendez. Excusez-moi. Petite ellipse, je reviens. À tout de suite. Re tout le monde, allez. C'est reparti, on nous retente. Alors j'en étais là. Tac, tac. C'est où l'autre? Oh, comment il me fuit? La fin de la partie, c'est si je meurs ou à la fin du temps. Ah, ça va, en plus les mecs ils sont assez faciles à tuer donc. Aïe 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 aïe, ils sont encore là. Salut. Ouais, ce jeu c'est un peu du kill en masse, on va dire, hein, c'est. Alors hop. Le record du mode là qui a été fait par je sais plus comment on dit, c'est les personnages donc ouais par les développeurs quoi. Il est de 1500 kills. Donc on va essayer de le battre.
J'en suis déjà 700, ça va vite, hein. Ouais, le mode mesure, je vous le fais pas maintenant parce que je galère un peu à jouer, donc je m'habitue un peu aux touches et voilà. Par contre, est-ce que quelqu'un peut me dire dans les commentaires à quoi ça sert la barre rouge à gauche où il y a avec le signe infini? S'il vous plaît, ça m'arrangerait. Mais je sais pas à quoi ça sert, si ça se trouve, je joue pas un truc, mais. Là, je suis dans le vide, hein, mais c'est pas grave. Ah voilà, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Ah, vous avez vu là-bas, il y a un personnage qui s'appelle Loubou. Ben, c'est lui, c'est le plus. Ben, c'est le meilleur de joueur. Ouais, ben, c'est lui. C'est le meilleur joueur de tous les dynasties qu'il y a eu, confondu. Donc, je vais me dépêcher de l'éliminer parce que. Au niveau résistance, il n'est pas trop excessivement résistant, mais. Quand il tape, il fait vachement mal. Je suis à 1200, 3 minutes, ouais, ça devrait aller. Allez, 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 debout, debout, allez. Ah, là il y a l'attaque spéciale du Musu. Quand il y aura du monde autour de moi, je vais. Bah attends, dès que j'ai mon museau, je vais vous montrer ce que c'est, mais que, à mon avis. Hein, lui il avait mis. Aïe. Ah voilà, il y a du monde là. Ouais, du monde tout autour aussi, quoi. Ah, excusez-moi, petit freeze. Voilà, ça. Alors, on va aller là-bas, mais qu'il y a un peu de monde là-bas. Faut juste taper les. Voilà, alors, je vais vous montrer. C'est la même attaque en plus puissant, je crois. Il reste 1 minute. Quatre cents, il me reste 100. Ça joue à rien. Aïe 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 recours un peu. Excusez-moi si je fais un peu le combat là, mais on va dire que je suis un peu dans la merde. Voilà, j'ai dépassé le record.
Voilà, je me suis fait tuer. C'est pas grave, il me reste 30 secondes. Voilà. Là, on va voir les résultats. Voilà, on a battu. Oh, on sauvegarde. Bah, je vais vous laisser là. Le seul truc, c'est que vous aurez le mode musu en complet de tous les personnages. Enfin, je verrai parce que tous les personnages, ça fait vachement long. Moi, je vais essayer de trouver une manette Xbox pour jouer. Pour jouer plus facilement, mais au niveau des touches, c'est un peu galère. Bon, bah, je vais vous dire au revoir là. Portez-vous bien et abonnez-vous. Allez, ciao tout le monde.